Donc, la dépendance. Donc on va commencer un petit peu par un aperçu de l'Association canadienne de la santé mentale. Ça a été fondé en 1918, puis c'est un organisme qui a des bienfaits nationaux qui contribue au maintien puis à améliorer la santé mentale de tous les Canadiens. À titre de leader et de champion national en santé mentale, la CSM va faciliter toutes les ressources communautaires que les gens ont besoin pour renforcer la résilience et pour avoir un meilleur rétablissement si quelqu'un a souffert d'une maladie mentale. On est 18 dans la province, donc partout dans la province. Nos bureaux principaux sont à Moncton, Fredericton et Saint John. Notre programme, c'est coordinateur des programmes communautaires. Puis, on offre aussi des workshops comme Working Stronger Together, travailler ensemble nos mentalités. On a aussi Changeons ensemble nos mentalités. Puis, c'est ça. Donc, on va commencer avec un petit peu de statistiques. Il y a 21% des Canadiens, fait qu'environ 6 millions de personnes qui vont répondre aux critères de la dépendance dans leur vie. Alors, c'est beaucoup. 8% des hospitalisations au Canada sont attribuables à la dépendance. Puis, le Canada va perdre 11,8 milliards de dollars par année à cause de l'usage des substances illicites, donc les drogues dures, les médicaments, l'alcool. Puis le Canada a le plus haut taux de consommation au cannabis dans tout le monde entier. Donc, c'est quand même beaucoup. Puis le 11,8 milliards égale à 414 $ par personne par année que le Canada va perdre. Donc, c'est quand même beaucoup. Fait que c'est quoi la dépendance? La dépendance, c'est un problème de santé mentale. C'est très complexe, puis ça va nuire à la vie d'une personne. On définit ça comme un usage compulsif d'une substance ou la pratique compulsive d'un comportement, malgré les effets néfastes qui peuvent se découler. Il s'agit d'une maladie mentale, donc ça date de longue durée, qui entraîne des besoins irrésistibles à une dépendance. Donc, c'est comme si que la personne ne pouvait pas fonctionner sans la chose qui est dépendante de. Puis ça peut toucher tout le monde. Des fois, ça dépend, il peut y avoir des personnes qui ont une personnalité plus addictive. Fait que si, je ne sais pas, admettons que quelqu'un commence le tabac, puis que la personne a une personnalité qui est addictive, va probablement s'addicter au tabac. Fait que là, on a le continuum de l'usage des substances. Donc, si on remarque ici, l'usage bénéfique. Fait que ça, c'est bénéfique pour la santé, la vie sociale ou la spiritualité. Fait que, mettons, quelqu'un qui va prendre des médicaments psychopharmacologiques, un café, un thé, une consommation modérée de vin rouge. T'sais, des fois, il y a des gens qui vont prendre un verre de vin rouge au souper. Il y a des gens qui vont boire leur café le matin pour se réveiller ou pour bien starter une journée. Donc, ça, c'est un usage qui est bénéfique pour la personne. Ensuite de ça, fait comme, mettons, ça c'est des étapes, là, des stages. Fait que là, on est type dans le orange-vert. Ensuite de ça, on a l'usage occasionnel ou non problématique. Fait que ça veut dire que c'est un usage récréatif, occasionnel ou autre ayant un effet négligeable sur la santé ou la vie sociale. Donc, ça veut dire, mettons, qu'on s'en va, il y a une fête, il y a un party, il y a un événement, mais que la personne a si qu'elle ne peut pas boire, elle n'ira pas. Fait que c'est comme genre, la personne va consommer de l'alcool pour avoir du fun. Fait que c'est un usage occasionnel non problématique parce que dans la semaine, la personne ne boit pas. S'il n'y a pas d'événement, la personne ne consommera pas. Là, on a l'usage problématique. C'est un usage qui commence à avoir des effets néfastes pour la personne, pour sa famille, ses amis ou pour la société. Donc, la personne va conduire en état d'ébriété ou qu'elle va conduire avec les facultés affaiblies, elle va avoir consommé, mettons, du cannabis ou des drogues dures. Puis elle va s'administrer la substance de façon nocive. Fait que la personne, qu'est-ce qu'elle va être d'une fête ou qu'est-ce qu'elle va consommer de l'alcool, c'est peut-être qu'elle va consommer de la cocaïne ou des méthamphétamines ou une drogue qui est un petit peu plus dure. Puis ça peut venir à une dépendance. Parce que là, si la personne, elle consomme quand elle boit ou dans le social, à un moment donné, vu que ça, c'est des drogues,
Les drogues dures, c'est des drogues qui sont beaucoup plus addictives. Peut-être qu'à un moment donné, ça va venir que la personne va faire ça dans son quotidien. Donc, usage problématique peut mener à une dépendance chronique, que c'est un usage qui est devenu régulier, un usage compulsif malgré les effets néfastes pour la santé et la vie sociale. Fait que ça, c'est un besoin compulsif. La personne pense qu'elle ne peut pas vivre sans ça, puis il lui faut ça pour fonctionner. Reconnaître la dépendance. Fait qu'on peut reconnaître la dépendance avec la méthode des 4 C. Fait que la première, c'est la compulsion. Deuxième, c'est un envie irrésistible de consommer. Fait que là, tu as une compulsion, fait que les gens consomment, puis ça leur pousse à un sentiment insurmontable. Ils vont consommer, puis ils vont tellement aimer ça que ça va être une compulsion. Ils vont avoir, admettons que c'est quelqu'un qui est addicté à la cocaïne. Bon, puis là, quelqu'un d'une fête, il en fond, bien, elle, la compulsion, elle va y aller tout de suite. Ça va être offert, elle ne dira jamais non à la personne. Une envie irrésistible de consommer, donc comme que je dis, ça va tellement la craver par en dedans que la personne, elle va consommer. Puis, ensuite de ça, il y a une perte de contrôle. La perte de contrôle, c'est ça rapport à la fréquence. Puis ça, on voit ça souvent des fois qu'il y a des gens qui vont acheter de la drogue, puis qui vont en faire. Puis mettons, à, je ne sais pas, 2 h du matin, ils n'ont plus de drogue. Ils n'ont plus, mais ils vont tout faire pour virer la place à l'envers pour trouver de la drogue. Ils vont appeler tout le monde, ils vont tout faire pour s'en procurer. Fait que ça, c'est une perte de contrôle. Parce que la minute qu'ils n'en ont plus, ils vont commencer à avoir un bad trip, comme on peut dire. Fait qu'ils vont commencer à s'imaginer des choses, puis ils vont craver pour ça. L'usage continue malgré les effets néfastes. Donc, ils savent que c'est pas bon pour eux autres, mais c'est plus fort que eux. Fait que c'est une dépendance. Ils sont dépendants de ça. Ils pensent qu'il faut ça pour qu'ils puissent fonctionner dans la vie. Les symptômes de la dépendance. On a une perte d'intérêt. Fait que la personne, elle va juste penser à consommer, puis elle n'ira plus s'entraîner. Si c'est quelqu'un qui s'entraîne, la personne n'ira plus s'entraîner. Elle va négliger ça. Elle n'ira plus dans des sorties juste amicales puis sociales. Ça ne lui tentera plus. La seule chose que la personne a dans la tête, c'est de consommer. Puis, quand on parle aussi de consommation, ce n'est pas nécessairement la drogue ou l'alcool ou la cannabis. Ça peut être un comportement impulsif comme les jeux, jouer des machines, les jibous, comme on dit. Ça peut être ça aussi, ça peut être une dépendance aux machines. Il y a des gens qui vont dépenser leur paye, il y a des gens qui vont dépenser leur loyer pour jouer des machines. Fait que ça peut être une dépendance aussi. Le gym peut être une dépendance aussi. Quelqu'un qui va s'entraîner 7 heures par jour, à un moment donné, ça revient que c'est une dépendance et c'est pas bon. Une personne qui va consommer va avoir des sauts d'humeur. Fait que qu'est-ce que la personne est en manque de boisson, en manque de peu importe la substance qu'elle consomme, elle peut avoir un changement d'humeur. Elle s'endurera pas, elle va être un petit peu plus marabout, tout va lui tomber ses nerfs. Quand elle est en manque, même la personne peut faire un sevrage, elle peut avoir la shaker, elle peut commencer à shaker, elle peut avoir des sueurs, des troubles de sommeil, peu importe. Impulsivité, fait que la personne peut penser, elle peut prendre des décisions sur un coup, sur le coup de l'émotion, qui sont souvent aussi quelqu'un qui est en sevrage ou quelqu'un qui est en manque de sa consommation peut faire des choix qui vont être néfastes aussi. Pour avoir des problèmes à la maison, au travail ou à l'école, ça peut être un jeune adolescent qui drop l'école, qui lâche l'école à cause de sa consommation. Il n'a aucun intérêt d'aller à l'école. Lui, dans sa tête, c'est consommer, consommer, consommer. À la maison, pour avoir des problèmes, si la personne boit beaucoup, qu'elle consomme beaucoup, bien, à un moment donné, l'argent, c'est là qu'elle va. Les billes ne se payent plus. Et là, la femme ou le mari se demande, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Où est-ce qu'elle va l'argent? Peut avoir des problèmes au rendement au travail. Si c'est une personne qui est alcoolique, des fois, elle ne se lèvera pas pour aller travailler. Changement sur le plan du poids, du sommeil, de l'alimentation. Surtout quand on fait des drogues dures, comme la méthamphétamine, la cocaïne, puis... la pinotte, comme ils disent, la pilule, ça peut faire une perte de poids. La personne peut venir tout petit, tout petit.
parce qu'elle ne mange plus, ça n'étonne plus de manger, plus d'appétit. Fait elle, tout ce qui la tient à aller, c'est sa pilule, sa drogue forte. Un secret, ça, la personne ne veut pas nécessairement non plus que tout le monde sache qu'elle a un problème de consommation ou qu'elle consomme. Donc, la personne vit dans le secret et qui peut vivre dans le déni. Tu vas dire, hey, je pense que tu as peut-être un petit problème. Non, moi, j'ai pas de problème. Moi, ça va bien. Puis, je sais quand elle va m'arrêter. Mais, tu sais, dans le fond, la personne n'en connaît plus ses limites. Elle a besoin d'aide. Les facteurs de risque de la dépendance. Fait que, les facteurs de risque, c'est la probabilité pour de développer une dépendance. Donc, comme par exemple, si on a des antécédents familiaux d'abus de substances, admettons que vous avez un papa ou une maman qui était alcoolique, ça c'est dans les gènes. C'est weird à dire, mais ça peut être dans les gènes, l'alcoolisme. Si vous avez aussi que c'est un enfant qu'il n'a pas connu mieux aussi, qu'il a vu ses parents toute sa vie être dans la drogue, il n'a pas connu mieux, il ne sait pas mieux. Ça peut être un jeune qui a tendance à aller dans la drogue. Ça peut être aussi, je ne sais pas, quelqu'un qui a vécu de l'abus va vouloir engourdir son mal, donc va commencer à consommer. Ça peut être la maladie mentale aussi. Puis, les gens qui consomment sont plus à risque de développer une maladie mentale à cause de la consommation de drogue ou d'alcool. Ou que quelqu'un qui a un diagnostic de dépression, bipolarité, de schizophrénie ou peu importe, la personne peut tellement pas bien dealer avec le diagnostic qu'elle va s'engourdir dans ces substances-là. Puis, c'est vraiment pas recommandé de consommer quand on a une maladie mentale, surtout quand on est médicamenté. Ça peut être le stress. Des fois, on est stressé. Je ne sais pas si vous autres que vous êtes des fumeurs, mais il y a des fumeurs qui des fois sont stressés. Puis, oh, je suis stressée, il me faut une cigarette. Je suis en train de vivre ça, il me faut une cigarette. Là, je suis crinquée, je suis choquée, je vais fumer ma cigarette. Fait que ça aussi, ça, c'est une dépendance aussi, le tabac. Une consommation dès le bas âge. Fait que, admettons que le jeune a commencé à consommer à 12-13 ans, probablement que plus tard, il peut développer une dépendance. Son identité, son genre, ça peut être la personne, elle se découvre un petit peu, puis elle est homosexuelle ou que la personne elle est transgenre ou n'importe quoi. Elle a tellement peur de se faire juger, puis elle a tellement peur de faire son coming out qu'elle pense qu'elle n'est pas normale, fait qu'elle va se mettre à consommer pour ça. Mais dans notre génération qu'on est, surtout en 2020, c'est supposé d'être ouvert, c'est même plus tabou, puis c'est totalement normal. Donc, on devrait même plus se sentir jugé quand on veut faire un coming out ou n'importe quoi comme ça. Fait que des fois, il y a les personnes qui vont consommer juste pour se cacher ou pour engourdir leur mal. Une mauvaise dynamique familiale aussi. Si c'est une personne qui s'est fait battre toute sa vie, quelqu'un qui s'est fait agresser sexuellement peut tomber dans une dépendance. La dépendance aussi peut être une dépendance au sexe. Quelqu'un qui se fait violer peut avoir une dépendance au sexe parce qu'elle va aller avec tout le monde parce qu'elle pense que c'est un objet ou elle ou lui, ça peut être un gars ou une fille. Elle va avoir une dépendance parce qu'elle pense que ben, c'est juste ça que je peux offrir. Et le traumatisme. Quelqu'un qui a vécu un gros traumatisme peut tomber dans l'alcool ou la drogue. On peut aussi voir surtout dans les anciens militaires, eux autres qui ont fait les guerres, des fois, ils reviennent, puis ont le choc post-traumatique, puis ils vont se mettre à consommer beaucoup d'alcool. Il y a 6 fois plus de risques de développer une dépendance si que ton parent ou un membre de ta famille est dépendant de quelque chose. Donc, si mettons que ton papa ou ta maman est alcoolique, vous avez 6 fois plus de chances de développer la maladie de l'alcoolisme. Puis les hommes sont 2 fois plus à risque que les femmes de développer une dépendance. Les types de dépendance, donc on a la dépendance liée à la substance, c'est un usage problématique d'une substance, puis ça comprend les dépendances aux drogues et alcool. Donc ça, la dépendance liée aux substances, c'est les médicaments, la boisson, le tabac, les drogues, fait que ça c'est à la substance, mais on a aussi la dépendance qui est liée à un comportement. C'est la boulimie,
L'anorexie, le magasinage, il y a des gens qui sont addicts au magasinage qui ne sont pas capables de se contrôler. Fait qu'ils vont faire des achats, des achats, des achats. Ça, c'est une dépendance. Les jeux de hasard, donc, comme que je disais tantôt, les machines, les gens qui allent au casino, ben donc, sont dans un bar, puis qu'il y a des machines, ils vont aller tout de suite jouer dans ça. Les jeux électroniques, ça aussi, c'est une dépendance, ça peut être une dépendance. Le sexe et l'exercice. L'exercice, comme aller au gym 3-4 fois par semaine, c'est totalement correct, c'est vraiment recommandé. Mais quelqu'un qui va au gym 7 jours sur 7, puis qui passe son temps 6 heures par jour, là, ça devient une dépendance. Là, ça devient problématique. Et la dépendance courante au Canada. Donc, on a l'alcool, qui est le premier, le cannabis, le tabac. Ensuite, les médicaments sur ordonnance. Donc, ça, c'est les quatre choses que les Canadiens sont le plus dépendants à. Fait qu'on a l'alcool, puis surtout, durant la pandémie qu'on est dedans, l'alcoolémie a augmenté depuis qu'on est dans la pandémie parce que les gens n'ont rien à faire, fait, ils vont boire. Le cannabis, qui est le pot, la marijuana, le tabac et les médicaments. La dépendance à l'alcool. L'alcool, c'est la substance la plus utilisée au Canada, comme que je viens de mentionner. Les Canadiens peuvent dépenser 14,6 milliards de dollars par année sur les dommages causés par l'alcool. En 2015, 44% des élèves de la 7e à la 12e année, donc 7e année, on s'entend que c'est environ 12-13 ans, qui ont indiqué avoir consommé de l'alcool au Nouveau-Brunswick. C'est pas dans le Canada, ça. C'est dans le Nouveau-Brunswick. Donc, c'est jeune. Fait qu'après ça, c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir des dépendances chez les jeunes. L'alcool va entraîner des effets secondaires néfastes comme une perte de mémoire, la violence. Quelqu'un peut être violent en consommant de la boisson, des troubles de santé mentale, puis un risque accru au cancer. Quelqu'un qui consomme beaucoup d'alcool peut se mettre à risque pour développer un problème de santé mentale comme la schizophrénie et la dépression. Parce que l'alcool, c'est un dépresseur. La dépendance au cannabis. Fait que le cannabis, comme que j'ai dit, est au deuxième rang dans l'usage le plus courant. La Santé Canada affirme que 9% des adultes puis 17% des jeunes vont développer une dépendance au cannabis. Le cannabis va entraîner des effets secondaires comme encore la perte de mémoire, une distorsion du temps. Donc, c'est comme si le temps il avance plus, tout est plus au slow motion, fait que tout est slow. Des tremblements, quelqu'un peut se mettre à trembler, un taux sanguin et une pression artérielle qui est plus élevée que la moyenne. Puis les gens aussi qui vont consommer des drogues dures peuvent aussi avoir des tremblements, puis ça c'est surtout quand c'est dans le sevrage, puis que les personnes sont en manque de la substance, peut avoir un tremblement. Même chose avec le cannabis. Dépendance au tabac, donc la cigarette, le cigare, tout ce qui a rapport à ça. Plus de 5 millions des Canadiens fument encore, même si on sait tout ce qui n'est pas bon pour notre santé. Le tabac cause 17% des décès chez les Canadiens. À Saint-John, on connaît le plus haut taux de tabagisme chez les élèves de la 7e à la 12e année dans la province. Comme que j'ai dit au début, 7e année, c'est jeune. 12-13 ans, puis ça commence à fumer, c'est pas bon. Le tabac peut entraîner des effets néfastes comme la maladie cardiaque, des otites, des sinusites, des AVC et les cancers des poumons. Je ne sais pas si vous êtes des fumeurs, mais vous pouvez remarquer que ça va être les personnes qui vont être plus à risque de faire une sinusite ou qui vont être plus malades parce que le système immunitaire il est affaibli. La dépendance aux médicaments. Au Canada, 13 hospitalisations ont lieu à chaque jour en raison d'usage illégal des médicaments sur ordonnance. Fait que les médicaments les plus courants que les Canadiens vont user, il y a les antidouleurs, donc 13% des Canadiens en 2017. Fait que ça, c'est en 2017, donc en 2020, fait que la moyenne a encore augmenté. On a les Percocet, les Tylenol 3, la méthadone, le fentanyl, l'oxycodone et autres. Donc ça, c'est toutes les antidouleurs que les Canadiens vont être addictés à, plus addictés. Les Percocet, ça provoque la somnolence.
Des fois, il y a des gens qui vont prendre ça pour mieux dormir, puis là, ils vont s'addicter à ça, puis ils ne pourront plus vivre sans ça. Ils vont penser que pour dormir, il leur faut ça absolument. La Tylenol 3, exemple, tu te fous un pied, puis ils vont prescrire ça. Ça va endormir ton mal. La méthadone, ça peut aussi être utilisé pour des gros sevrages. Comme les gens qui sont sur l'héroïne, les gens qui sont sur la méthamphétamine puis qui font un sevrage peuvent avoir des doses de méthadone pour les aider à passer au travers leur sevrage. Le fentanyl, c'est une drogue qui est très dangereuse puis c'est abusé par beaucoup de Canadiens puis beaucoup de jeunes puis ça peut causer la mort. Juste un petit grain de sel de fentanyl peut causer la mort à quelqu'un. Puis les sédatifs, souvent utilisés pour réduire l'anxiété puis les problèmes de sommeil, ça aussi, comme les Xanax, les Valium puis les Ativan, c'est des choses que les Canadiens vont s'addicter plus à. Puis le Nouveau-Brunswick a connu le plus haut taux de médication contre l'anxiété en 2007. Ça, c'est en 2007, mais on est en 2020, puis à cause de la pandémie qu'on est dedans, l'anxiété est sky high. Donc, on prescrit puis on prescrit. Comment va commencer la dépendance? On prend plaisir au changement physique et psychologique qui va apporter la drogue, puis au comportement. Et c'est la sensation qui est ressentie qui va encourager la personne à aller chercher ce plaisir de nouveau jusqu'à temps que ça devienne une habitude. Des fois, la personne peut consommer une drogue, elle va avoir tellement de fun sur cette drogue-là, cette soirée-là, que quand elle va consommer une autre fois, elle va rechercher le plaisir qu'elle a eu dans cette drogue-là. Puis des fois, à force d'en faire, ben, elle ne retrouvera plus ce plaisir-là. Fait qu'elle va en consommer encore plus pour avoir le premier plaisir qu'elle a eu. Fait que c'est ça aussi qui peut causer une dépendance. Puis, certains événements, ça peut encourager la dépendance, comme la curiosité. On peut être curieux de vouloir essayer. Des fois, on est en chum, puis là, tout le monde en fait, puis là, tu n'as jamais fait ça, puis... Ah ben gars, goûte, ça te fera rien, tu vas avoir du fun, tu vas être une même vibe que nous autres. Puis là, ben, ah ben, par curiosité, je vais l'essayer. L'impulsivité, l'augmentation du stress, les traumatismes, les maladies mentales, puis les impacts sociaux. Ça peut être quelque chose qui vont encourager à consommer. Mais qu'est-ce qui est plus encourageant aussi, c'est si vous êtes une personne qui est influenceur. L'influence, ça en joue beaucoup sur la dépendance. Puis, si que, comme que j'ai dit, j'ai mentionné tantôt, si que la personne a une personnalité qui est addictive, probablement qu'elle va développer un problème de dépendance. La maladie mentale et les dépendances, la concomitance des troubles de santé mentale et de dépendance représente une inquiétude importante en santé au Canada. Eux autres qui sont touchés par la maladie mentale vont être deux fois plus à risque de souffrir d'une dépendance. Puis, c'est particulièrement sur les personnes qui sont vulnérables, comme les pauvres, les sans-abri, puis les personnes LGBTQ. À cette heure, on a LGBTQ+. C'est des personnes qui vont être plus à risque de dépendants de drogue ou d'alcool. Donc, le stress et la dépendance, des situations stressantes ou traumatiques de la vie peuvent mener à une dépendance. Comme que j'ai mentionné tantôt, l'abus, un abus physique ou abus sexuel peut amener à avoir une dépendance pour engourdir ou oublier ton mal. Un désastre naturel, comme qu'on a eu une couple d'années passées en Haïti, ils ont tout perdu. Fait que ça aussi, ça peut être une raison de dépendance. Des problèmes financiers, quelqu'un qui n'arrive pas financièrement, des fois, va se mettre à consommer. Puis, la dépendance amène à un problème financier aussi. Puis les attentats criminels. Fait que les gens vont se tourner vers les drogues pour soulager leur douleur, soit physique ou émotionnelle. Puis ça va rester dans un cercle vicieux, puis c'est difficile à briser toute seule. C'est rare que quelqu'un va se sortir d'un trouble de dépendance par eux-mêmes. Souvent, la personne va avoir besoin d'aide, probablement avoir besoin de consulter un psychologue ou quelqu'un de santé mentale, faire des groupes comme les AA, comme les Anonymes. Être hospitalisé, aller dans un detox. Fait que c'est rare que les gens peuvent s'en sortir toutes seules. Mais ça arrive. L'anxiété et la dépendance, fait que l'automédication, c'est un problème.
quelqu'un qui est sur des médicaments parce que la dépression ou l'anxiété, il peut avoir une addiction là-dessus, il va penser que la personne ne peut pas vivre sans ses médicaments. Puis la minute que la personne va arrêter, elle va comme faire un genre de petit bad trip. Puis c'est important aussi de jamais consommer quand on est sur des antidépresseurs. La dépendance face aux stimulants est 3 fois plus courante chez les personnes anxieuses. Ceux qui souffrent d'anxiété sont 5 fois plus à risque de souffrir d'un trouble associé à l'usage de substances, en particulier les médicaments. Donc, ceux qui ont des troubles d'anxiété vont être plus dépendants sur les médicaments. La dépression et la dépendance. L'alcool, c'est la substance que les gens atteints de dépression vont abuser le plus. Fait que l'alcool, c'est aussi un dépresseur, puis ça accroît ton sentiment de tristesse, puis ça va aller à une dépendance. Quelqu'un qui consomme beaucoup d'alcool, souvent la personne elle va penser, bien, vu que je bois, ça va engourdir, puis je vais tout oublier. Mais le lendemain, quand la personne revient à ses sens, les problèmes sont encore là. T'sais? Fait que ça sert à rien de noyer sa peine dans la boisson parce que d'une manière ou d'une autre, la minute que la personne va être à jeun, ben, le problème va disparaître. La dépression accroît le risque de dépendance de 200%. Comment aider vos chers? Fait que, donc, comment aider vos proches qui ont un problème de dépendance? Soyez optimiste. Assurez-vous de communiquer. Dites-lui aussi qu'il s'agit d'une maladie qu'on peut guérir. Il va y avoir des obstacles, c'est sûr. Ça ne sera pas tout seul. Il va y avoir des ups, il va y avoir des downs. Mais il faut y croire. Il faut croire en la personne. Puis il faut vraiment aussi aider la personne parce que quand la personne est rendue d'un point qu'elle est dépendante d'une drogue ou peu importe, ça vient que c'est dur à en croire en vous-même. Exprimez aussi votre inquiétude envers la personne. C'est important, excusez, que eux autres qui souffrent sachent que vous êtes là pour eux autres, puis que vous vous inquiétez pour leur bien-être. Ils peuvent ne pas réaliser ou reconnaître qu'ils ont un problème, fait que des fois, ça leur prend juste quelqu'un pour les aider à ouvrir leurs yeux. Encouragez-les à aller chercher de l'aide. Assurez-vous de lui dire. Référez-la à quelqu'un aussi. Établissez des limites et offrez votre appui. Fait que des fois, quand la personne a des problèmes de dépendance, c'est pas nécessairement à vous de tout gérer, c'est pas à vous de tout contrôler. Vous ne pouvez pas faire ça toute seule. On n'est pas des psychologues, on n'est pas des travailleurs sociaux, on n'est pas des médecins. Fait que c'est important de référer la personne à soit son médecin de famille ou en santé mentale ou dans un établissement de traitement de dépendance. C'est important de ne pas juger la personne. Soyez conscient de vos commentaires, puis soyez patient avec la personne. Évitez de l'agacer ou de la critiquer ou de lui faire un serment que c'est pas bon, blablabla. Parce qu'elle, elle sait déjà tout ça, mais elle sait pas qu'elle a un problème. Fait qu'il faut aussi que ça vienne par elle-même. Puis n'oubliez pas que la dépendance, c'est une maladie, puis c'est pas un choix. La dépendance, c'est une maladie mentale. Vous pouvez pas effacer le passé et revenir à la case d'apport. Mais vous pouvez commencer dès aujourd'hui à redéfinir votre avenir. Restez positif, déterminé et restez fort. On ne peut pas tout le temps recommencer à la case d'abord. On ne peut pas devenir comme qu'on était 10 ans passés, parce qu'on a nos expériences, on a notre vécu. Mais c'est aussi le temps de voir dans l'avenir, puis de comment est-ce qu'on veut être, comment est-ce qu'on veut réagir, puis est-ce qu'on veut être une bonne personne ou peu importe. Demandez de l'aide, fait qu'il y a les ressources communautaires en santé mentale. Et on a le médecin de famille. Puis le médecin de famille, c'est la meilleure personne à aller consulter quand on a un problème. Parce que le médecin de famille est supposé de vous connaître. Il connaît tous vos problèmes physiques et psychologiques. Allez consulter un psychiatre, un psychologue ou un conseiller ou un professionnel. Les amis, la famille ou un leader spirituel, ça aussi, ça peut aider. Fait qu'il y a les services de traitement de dépendance et de santé mentale, donc là, on a l'hôpital régional. Là, c'est écrit Saint-Jean, mais peu importe la région où vous êtes, dans le Nouveau-Brunswick, il y a un hôpital, c'est sûr, puis il y a un centre de traitement de dépendance. Il y a le centre de traitement de dépendance à Ridgewood. Le numéro de téléphone est ici. On a les services mobiles aussi, donc comme la crise mobile. Il y a des psychiatres, il y a des cliniciens, il y a des travailleurs sociaux.
Il y a d'autres professionnels qui sont formés en santé mentale. Donc, ça, c'est des ressources pour vous aider à, si vous avez, mettons, un problème de dépendance ou que vous connaissez quelqu'un qui a un problème de dépendance. Allez demander de l'aide. Donc, on a des ressources communautaires en santé mentale, le Portage Atlantique. On a Sophia Recovery, c'est un centre pour femmes. Alcoolique anonyme. Les narcotiques anonymes, donc ça aussi, il y a un groupe qui existe pour ça. On a ligne d'information sur le jeu compulsif, échange de seringues, fait que ça c'est à Saint-John. Fait que les numéros de téléphone sont là, mais aussi il y a le centre de santé mentale dans votre région qui est toujours disponible, il y a les hôpitaux, puis même des fois si c'est une urgence, 911, vous appelez 911, vous amène à l'hôpital, des fois vous êtes probablement aller soit en psychiatrie ou bien non consulter un psychologue ou quelqu'un, un professionnel de la santé pour vous aider avec votre dépendance. Donc, j'ai fini. Avez-vous des questions, des commentaires? Si jamais vous avez besoin de plus d'informations ou qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous avez juste des questions par rapport à ça, vous pouvez me contacter. Mon email, c'est kimberly.anou@commercialgnb.ca. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, j'ai-tu des questions, des commentaires? Donc, si j'ai rien, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Je suppose que vous êtes dans la région, mais moi, je suis dans la région de Edmonton. On a de la neige, il fait beau, c'est le fun. Merci beaucoup, puis passez une belle après-midi.